Salut les amis, c'est Jeudi, j'espère que vous allez bien. Me voici avec le troisième épisode du Let's Play des Sims 2. Donc, je n'ai pas encore vu les réactions par rapport au petit mini concours que j'ai fait hein, par rapport à la bille là, que je devais vous faire deviner pour avoir le nom de la rue. Enfin, son pseudo en nom de rue, je vais y arriver, hein. Donc, aujourd'hui, on va pas faire un personnage, donc je vous rassure, hein. On va tout simplement aller donc jouer avec notre petite Shoshan et on va aller passer du temps avec les amis. Donc, elle a été invitée donc dans le centre-ville. On va aller se faire tout simplement un bowling. Oups. Oups. Bon, Lou est là en pyjama. Je suppose qu'elle va se changer. Ouais, voilà. Elle va se changer, la petite. Donc je vous reprends après le temps de chargement. A tout de suite! Et nous y voilà les amis au bowling. Donc où est-ce qu'ils sont, mes petits potes là? Waouh, c'est un petit peu mort comme endroit. Il y a trop de musique. Trop de musique. On va. C'est le truc ambiance? Ouais, non, trop de musique encore. Bruitage. Pas mettre trop fort si pour que vous m'entendiez plus. Eh, vous voilà, c'est peut-être mieux déjà. Bon. Ah, ils se font un billard en fait au final. Mais va les rejoindre, toi, reste pas comme ça. Rejoindre Chloé. Allez, vas-y. Allez, Cho. Bleu de table, tu... Allez, on y va. Zuki! Comme elle me regarde, celle-là. Jay! Hop, je vais peut-être mettre... Hop, ça sera plus joli. En fait, pendant qu'un message a un petit peu avancé, elle s'est fait des amis en fait. Donc, elle, c'est une amie à elle. Chloé c'est une amie à elle. J'ai baissé les voix et tout parce que ça devient. C'est un peu beaucoup. C'est un petit peu fort, je trouve. Voilà. Je fais encore un petit peu. C'est parce que c'est horrible. Ça me pète dans les oreilles. Maintenant, c'est que j'ai le truc à Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord. Donc elle fait une copine avec elle, enfin amie avec elle et amie avec un autre mec. Donc voilà, on va un petit peu voir comment ce métier va se poursuivre. Niveau boulot, elle a eu une promotion. Vas-y, allez, vas-y, Cho. Ouais, allez, 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 allez. C'est pas encore à toi de jouer? Si, ah voilà. J'ai une petite photo pour la miniature, les gars. Ah! La souris qui va. Elle s'en sort bien. Pensez? Non, non, pas vraiment en fait. Est-ce que vous avez déjà joué au billard? Moi j'ai déjà joué, mais je suis. Je joue pas très bien. Je joue pas très bien. La dernière fois que j'ai joué, c'était avec Inda en vacances, en fait, je pense. Et toi, donne-moi un hot dog. Oh, y a des hot dogs. Elle a faim. Carrément qu'elle a faim. Elle a de manger un truc. Voilà. Comme ça, le papa, elle se fait encore des potes. Bien que j'ai un mode en fait me permet en fait. C'est un petit annuaire téléphonique. C'est horrible les voix.
En plus, j'ai peur que ce soit trop fort pour vous. J'ai pas fait de test de sang avant. Donc, c'est un petit annuaire téléphonique où vous avez la liste en fait, de tous les Sims qui sont présents dans la ville. Donc, pour la voile, il y a plutôt tout ce qui est dans le monde. Oh là là. J'ai fait de la prison parce que d'accord. Ouais, moi aussi j'ai fait de la prison. Mais en fait, on s'est barré en fait. On fait les voix, j'avais des conversations, les gars. Parce qu'on a été volé en fait chez des gens. Ouais, salut, je me casse. Ouais, tu piques ma pote, toi. Oh, elle est canon, celle-là. Exactement. Ah, les grosses discussions concernant les deux. C'est fait maintenant qu'ils parlent de... Enfin, qui se sont fait voler, en fait. C'est quoi cette tête là? Ils font genre la ultra populaire. Ah, c'est qui ça? Oh, elle est mignonne. Vera Chevalier. Vera Chevalier. Elle se barre, ok. Ah, ouais, tiens, voyons voir un peu si. Oula, il faudrait qu'elle aille faire sa pissouille. Hein. Il faudrait qu'elle aille pissouiller. Ah, voilà. J'aime bien faire ces trucs là. Et genre elle a fait 10 000 hot dogs la femme. Oh ces Sims, ils ont l'air de foutre, je sais pas vous, mais ils ont l'air de foutre le bordel. Ils mettent des assiettes à terre, ils mettent tout à terre, les bébés à terre, les assiettes. Ok, tu m'étonnes, il y a un truc là, ok. Ils veulent tous faire griller leurs petites saucisses là, et c'est fait. Aucune tendance au cul. Bon. Un truc pour se laver les mains au moins ici. Se laver les mains. Là, se laver les mains. Voilà. On va la faire un petit peu danser. Hein. Danser. On va faire danser le smussel. Mais non, mais pas, danse pas aux toilettes. Oh, quel bacard. Elle danse toute seule comme une abrutée au milieu des toilettes. Genre, logique. Allez, hop. Allez, danser. Danser. Regardez-moi quelle classe ou quoi. Je connais pas les pas. Oh, le vieux, il flash sur elle là, c'est fait. Oh, la fille en mode loseuse. Mais toute seule au milieu de la piste de danse, elle fait. Plus travailler comme DJ, tiens, on va essayer. Re donc, que le mec est seul comme un dans des Sims, ça c'est fait. Ici DJ show, on va nous faire le show. Bah, ça va. Oh, elle se fait du fric. L'autre qui cherche les pas de danse. Elle est minuit aidée là. On va peut-être la faire rentrer chez elle. Hein. Oh là là. Bon, ouais, on va peut-être la faire rentrer chez elle. Hein. On va parler juste de moi à la copine là. Embrasser. Je vais lui donner une pelle si je veux. Discuter. Dragon. Qu'est-ce qu'elle raconte? Hé, lui, il est vu sur toi, je crois. Oh, mais tu pues. Ah oui, clairement qu'elle pue. Ouh là là, oui, non, je vais me barrer en fait. Ah ouais, non, je vais me barrer. Je vais. Plus. Oh là là, mon dieu. Comment est-ce qu'on fait pour quitter le groupe? Mettre fin à la sortie du groupe occasionnel. Ok, donc elle leur dit au revoir. What? Oh, un vampire, les gars! Oh, regardez! Il n'y a plus de musique, hein, mec. Hein.
Ça va, Pierre, ok. Un truc qu'il faudra que je fasse, que je vais essayer de faire, c'est de modeler le jeu de façon à changer la couleur de la peau des vampires, parce que ce bleu, c'est vraiment pas tip-top. Et oh! C'est là, hein. Oh, Sims Plant. Et donc, aussi, éviter qui marche comme ça. Oula, je vais pas parler parce que je pue. Bon, on va retourner appeler un taxi. Oh là là, en plus, il se met à vouloir. Oh là là. On n'est pas sorti de l'auberge. Ah non, on sort du bowling. Ah, c'est quoi? Ah, des cafards. Ah, regardez. Oh non, on ferait la maison. Oups. Donc, je vous reprends quand elle est chez elle. Je vous reprends plus tôt que prévu. Il y a une sorcière qui vient d'apparaître à côté de moi. Oui, je sais, je pue, je te remercie. Je pue, 2 secondes. Je n'y peux rien, c'est comme ça, tu vas devoir faire avec. On va les laisser faire, hein. Je vous reprends. Donc, nous revoilà chez la demoiselle, chez la mademoiselle Shaw. Oui, salut. Bon, là, elle pue, il faut que... Oh là là, c'est... Ouais, non, elle va aller... Oui, donc, j'ai fait quelques petits changements. Je lui ai acheté un petit miroir. Et je lui ai acheté un chevalet. Donc, histoire que... ben, qu'elle puisse un peu grimper sa créativité, parce qu'elle en aura besoin pour son métier donc, de cuisinière. Donc voilà, voilà. Le petit chevalet là, qui est bien sympathique, je l'ai téléchargé sur le site XM Sims. Donc c'est un site qui est vraiment pas mal. Hop, on va aller un peu plus loin avec la caméra là. C'est vrai que vous puissiez l'avoir toute nue. Hein. C'est vraiment tip top pour les jeunes yeux. Donc oui, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça vous aviez vu. J'ai ajouté quelques trucs au salon. Là ici j'ai mis un petit coin avec un téléphone. Et j'ai rajouté un truc avec un peu genre un pouf en fait, et je trouve ça beaucoup plus chouette. Niveau truc, j'ai ajouté d'autres choses, ouais, ça, je pense que vous l'aviez vu. J'ai modé de façon à avoir en fait de la nourriture personnalisée. Donc par exemple, je clique sur Have a Drink, donc McDonald's Soda, Have a Dinner, donc brocoli, enfin voilà quoi, chicken parmesan, chicken dumpling. Meatballs, enfin voilà, il y a vraiment tout, des pizzas et tout, donc voilà. Serve savory sweet, donc vanilla cupcake. Enfin voilà, j'ai mis plein de nourriture en plus, ce qui est plutôt sympa. Est-ce qu'elle a fini de prendre sa douche? Ouais, oulala, elle va y dormir. Ouais, un bon petit somme. Je pense que je vais faire la journée qui suit pour vous montrer un peu une journée type de ce perso. Mais je vais pas trop vous filmer quand elle bosse parce que je vois pas vraiment l'intérêt. À mon avis, on ira plus tôt parce que surtout qu'on voit pas en plus. Donc je pense que j'irai plus tôt. Ah, téléphone qui sonne. Bon, pff, 9h du soir, hein, désolé, mais on va attendre. Hein. Je pense que je ferai plus les sorties comme là elle vient d'avoir et tout. Parce que bon, c'est plus cool, quoi, c'est plus sympathique. Niveau objet, est-ce que j'ai des objets que je peux mettre? Réputé longtemps garder le secret des mystères de cerveau, c'est mes sœurs là. Ok, donc c'est un truc qui détend. Ah ouais, là c'est les bébés, là c'est le truc pour les bébés. Les lunettes. On va prendre un arbre à sous. On va prendre un arbre à sous, tiens. On va le mettre ici à l'étage. Voilà. Un petit arbre à Sims Flous. Ça fait pas de mal, hein. Bon, hop, on va avancer un petit peu. Ouais, ça va, ça fonctionne bien. Sinon, vous voyez, son quartier est quand même assez calme. Il n'y a pas grand... Eh, il y a des lucioles qui volent. Faudrait que je jette
les journaux. Non, c'est pas comme dans les Sims 2, dans les Sims 3, où on sait appeler le service des journaux pour qu'ils arrêtent de nous les livrer. Ça aurait pu être cool, mais bon, voilà. Elle va sûrement tous réveiller, vu l'heure. Voilà, ouais. Faire un petit pipi, se laver les mains. Donc, on va regarder ce que j'ai comme petit déjeuner. Save breakfast. Qu'est-ce que j'ai? Berry oatmeal. Sausage cheese with grits. Peach yogurt. On va prendre des œufs, tiens. Je pense que ça doit être des œufs. Si je me souviens bien de ce que j'avais vu. Est-ce que j'ai, tiens, un petit robot ménager que je peux lui offrir? Un petit robot ménager, ça pourrait être cool. En plus, j'en ai téléchargé des biens. J'ai téléchargé une friteuse, pour tout vous dire. Oh oui, j'avais oublié que j'avais ça. C'est des mood boosters. Donc, c'est des mood boosters, en fait, un truc d'ailleurs, vous voyez sûrement l'adresse, donc aroundthesims2.com. Donc, ce sont des objets qui ont été créés par Sandy. En fait, c'est un truc que quand votre Sims l'utilise, eh bien... ça met toutes ces stats, enfin toutes ces jauges au max en fait. Voilà. Ça c'est quoi ça? Ah oui, c'est la friteuse du Sims Store des Sims 3 qui était refaite pour les Sims 2 ici, que j'ai pu avoir. Oh, beau robot ménager, regardez. Oups, oh, il est beau, il est chouette. Il coûte beaucoup plus cher, il coûte 20 trucs plus cher que l'autre. Il est plus joli. Qu'est-ce qu'il y a comme couleur? Oh, on va prendre celui-là, il est bien. Oups. Voilà. Peut-être qu'elle va l'utiliser, hein, c'est jamais. Ça ira peut-être plus vite pour elle cuisiner. Et on va voir ça. Est-ce qu'il y a une petite animation? Donc celui-là, je pense, si je me souviens bien, l'avoir trouvé chez... What? Ok, bon. On va le mettre là. On va continuer. Resume cooking. Allez. Voilà. Comment est-ce qu'elle va nous faire ça? Allez, maintenant, émission de cuisine avec Mademoiselle Shoshan. Hein, pas du tout ce qu'elle va nous faire, mais je crois que c'est un truc avec des œufs, je pense. Un genre de pâte, là, je sais pas. Ouais. Il est mignon son petit pyjama. Déjà, je pense que je l'ai eu sur Parcimonious, je pense. Oh, qu'elle est toute mignonne. Ah bah c'est prêt. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble. Ah ok, on dirait un genre... Ah ouais non, on dirait un genre de porridge, je sais pas, avec des fruits. Je sais pas. Des olives, on dirait qu'il y a des raisins dedans. On va voir si c'est bon. Ok, elle dit rien, je me dis, elle fait ou un truc du genre, mais non, même pas. Oh bah mon dieu, quelle classe! Quelle jeune fille! Oh là là, ça fait un peu vide hein, autour d'elle, faudrait vraiment que j'essaie de trouver peut-être des petits éléments pour décorer. Un truc qui est idéal dans les Sims 2 ou même les Sims 3, si vous voulez faire des maisons un peu plus réalistes, c'est ne pas hésiter à faire des grandes maisons justement pour la place pour mettre des petits meubles, vraiment un titre décoratif, pour ajouter du réalisme. Ouais, il faudra que peut-être que je mette... Oh, comment elle mange. Peut-être que je mette une plante, je sais pas, hops. Et mettre les restes de côté, comme ça on aura pour demain. Bon bah voilà, on a un super robot ménager, on sait pas quoi ce qu'on va en faire, on va peut-être se le garder pour quand on va commencer notre petite entreprise de cuisine. À mon avis, pour l'entreprise de cuisine, j'utiliserai les mood boosters, j'en aurais bien besoin à mon avis. Avec une limite quand même, je pense que j'en mettrai un dans la cuisine. Et la limite, ça sera en fait de les utiliser juste par exemple quand les Sims seront en pause, tout simplement. Ils seront, enfin, quand je demanderai pause à mes employés ou bien même quand elle prendra une pause à son boulot. Un truc aussi que j'avais essayé de faire, j'ai téléchargé un mod pour pouvoir avoir des chevaux. Mais je sais pas du tout comment ça fonctionne en fait. Je ne sais pas du tout comment il fonctionne. Ça n'a pas l'air d'être ici dans les trucs des animaux de base. Ah oui, j'ai déjà joué des super belles voitures. On lui en prendrait aussi de belles voitures.
sur donc ça, je crois que ça va être The Fresh Prince, un truc du genre, je crois, les voitures, le nom du site où j'ai pris les voitures, et là j'en ai pris plein. Alors, il y en a quelques-unes qui bug, celle-ci elle bug, hop, quand ça bug, je dégage. Ah, ce truc-là, c'est un canapé sur roulette, quoi, c'est n'importe quoi. Des petits jouets. Ah oui, j'ai. Oh, mignon. Ah oui, ça, je les ai pris sur le site de Sandy aussi. Poum, poum, poum. Dans les décos, peut-être les chevaux? Je sais bien qu'il y a des fans de chevaux parmi vous dans. Enfin, j'en suis même sûre, hein. Parmi vous, parmi les abonnés, et je me suis dit que ça pourrait être cool. Pas mal de déco, hein, pour faire un jeu un peu plus réaliste. Ah, moi aussi, je crois que j'ai eu un mode qui me permet de mettre des petits objets de façon un peu plus. Même pas. Excellent. C'est quoi ça? Oh, pour le petit déj. De la vaisselle qui sèche. Joli. Ah oui, j'ai pris des petits nichoirs aussi, je trouve ça trop mignon. Reine. D'accord, peut-être pas. Ok, je vois pas de cheval ici en tout cas. On a un arrêt de bus. Ça a pas l'air d'être ici. Peut-être dans les autres décos là, un peu plus. Dans les décos diverses peut-être. Vous allez me dire jeudi, mais bien du temps à charger ton jeu, en même temps que tout ce que j'ai téléchargé dessus. C'est juste abominable. Oh, du débouté de parfum, ça c'est chouette ça. J'ai pas l'impression que les chevaux étaient pris en considération si je les trouve pas. Va falloir que j'aille. C'est quoi ça? Ah, une luge. Va falloir que j'aille les supprimer pour être sûr que ça ne surcharge pas inutilement le jeu. Ça m'intéresse pas vraiment d'avoir un truc qui est censé être là, mais qui en fait non. Donc que le jeu passe son temps à le charger, mais qu'en fait ben, ça ne s'affiche pas. C'est pas méga utile. Oh, les petits essuie-de-bain là, faudra que je les mette dans la traque. Oh, une machine à lessiver. Mais elles sont juste décoratives. Ah, ça c'est chouette, ça c'est des trucs, ça c'est des panneaux solaires. Bon, j'ai pas l'impression qu'on aille les chevaux là, donc à un moment il va falloir que je les vire. Vraiment, il va falloir que je les dégage parce que t'es dans les hobbies. Ah non, je pense pas. Bibliothèque, une logique, hein, tout à fait, je dis. Un cheval ressemble à une bibliothèque, bien sûr. Ouais, non, clairement pas. Clairement pas, donc ben, c'est pas grave. Pas grave, je regarderai un peu où ils sont et bah, je les retirerai du jeu vu que bah, ils chargent pas. Je testerai peut-être d'autres chevaux du que je prendrai sur le site mode The Sims. Bah, les petits choux, je crois que je vais vous laisser ici. Hop, la demoiselle en pyjama qui est dehors, voilà. Que je vais vous laisser ici sur notre jolie petite Shoshan. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Moi, en tout cas, ça m'éclate vraiment de les tourner là pour le moment. Donc n'hésitez pas à les partager, à les montrer à vos amis et tout aussi. Enfin voilà, tout ça.
ça vous a plu à vous, ça pourra sûrement plaire à d'autres. Donc voilà, et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt.